Père éternel, je te remercie parce que nous pouvons étudier ta parole. Nous pouvons apprendre comment être disciple. Et je te prie de nous accompagner pour que ce soit ton esprit qui nous guide, qui nous aide et qui nous montre les choses que nous devons changer et améliorer. Au nom de Jésus, amen. Alors mes amis ici présents ou ceux qui sont sur Zoom et sur YouTube éventuellement, je vous remercie d'être venus cet après-midi où nous allons discuter du discipulat. Donc je répète, c'est la première étape du discipulat. Encore il y a une deuxième, une troisième, si vous voulez bien m'inviter une autre fois. Je précise que j'ai dit ce matin que l'après-midi est encore plus important, il faut que je m'y tienne maintenant pour qu'à la fin vous ne dites pas, vous avez dit ça seulement pour avoir quelques personnes. Donc, j'ai choisi sept domaines que je considère indispensables pour être un disciple. À la fin, vous allez juger si ils sont vraiment indispensables ou non. Et j'ai fait ça sous forme de questionnaire que vous n'avez pas. Donc, le questionnaire, vous n'avez pas besoin de noter parce que j'ai envoyé à Emmanuel le questionnaire et vous pouvez l'avoir après pour le faire chacun pour soi-même avec le décompte. C'est moi qui l'ai fait. Si ça ne vous paraît pas exact, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste pour voir quels sont les domaines de progression, nos axes de progression. Donc, c'est ça pour le... Vous allez voir aussi que je ne vais pas m'arrêter dans tous les domaines autant de temps. Parce qu'il y a deux, trois que je considère les plus importants, parce que bon, j'aurais pu faire deux semaines sur ce sujet sans le finir. Donc, on va tout de suite commencer avec le premier domaine. Est-ce qu'on peut mettre le diapo, s'il vous plaît. Le premier domaine, c'est la prière. Mes amis, rien ne fonctionne dans le spirituel sans la prière. Zéro. Donc la prière est vraiment la base, le début. C'est comme l'air. Si on n'a pas d'air, on va mourir. Et mourir vite. C'est la même chose pour la prière. S'il n'y a pas de prière, s'il n'y a pas de vie de prière, on va mourir spirituellement. Maintenant, je précise une chose très importante. Quand je parle de la prière dans le domaine du discipulat, il s'agit de la prière personnelle. Personnelle. La prière publique. Il y a des églises qui sont très fortes en prière publique, que ce soit prière à deux, à trois, veillée de prière, nuit de prière. Ça, c'est très bien. Mais ça doit se baser sur la prière personnelle. Si je n'ai pas de prière personnelle, la prière publique ne va pas m'aider que presque zéro. C'est la prière personnelle. Quand la prière personnelle est là, si on s'unit après dans une prière publique, là, ça va compter. Et la prière publique, son rôle est de nous unir autour d'un sujet. Parce que si on prie pour un projet, on va aussi travailler pour ce projet. Si je prie avec toi en prière personnelle, je ne vais plus me disputer avec toi, normalement. Donc vous voyez, mais pour grandir dans la foi, pour avancer dans la foi, c'est la prière personnelle. Bon, on va faire le questionnaire tout d'abord. Combien de temps pries-tu par jour? 0 à 5 minutes, c'est 0. Voilà. Donc, 5, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure ou plus d'une heure. 2 et 3 sont des questions qui montrent comment je prie. Je prie avec ferveur et intensité, tout autour de moi disparaît quand je prie. Et quand je prie, je me concentre totalement sur ce que je dis à Dieu. Parce que quand on prie, et aussi quand on lit la Bible, il y a une chose qui se passe. Je vais prier et je suis en train de prier pour que Dieu me garde dans le voyage en Grèce. Et dans ma prière, je me vois déjà en Grèce et je m'imagine comment je vais... Vous savez ce que je veux dire? Donc, on se retrouve avec ses pensées ailleurs. Et ça, c'est du temps perdu. Donc,
quand on prie, il faut se concentrer. De la même manière, quand tu parles avec quelqu'un, il faut se concentrer. Si tu es avec tes pensées ailleurs, il va le voir. Et donc, il faut une concentration pour que ça puisse vraiment compter. 4. La prière est pour moi non seulement un devoir, mais aussi un plaisir. Vous allez voir que cette question-là revient souvent, parce qu'au moment où quelque chose... il faut faire les choses aussi par devoir. Mais Dieu a la capacité de faire en sorte qu'après, ce n'est plus un truc extérieur où je me force de le faire, mais ça devient un truc intérieur où je ne peux plus sans rien, sans le faire. Et ça montre que je suis avancé dans la direction. Et 5, j'ai des réponses à mes prières chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque jour. Mes amis, s'il y a une prière, il y aura aussi des réponses. S'il n'y a pas de réponse, ça veut dire que quelque chose cloche dans la prière. Maintenant, les réponses, il y a des grandes réponses. Voilà, je vais exagérer. Je prie, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Et puis, il y a le voisin qui vient. Quelque chose m'a poussé. Voilà les clés d'une Mercedes 220, 230 chevaux cadeau. Bon, tu n'as pas le droit de le prendre parce que le fils derrière. Voilà, mais disons, je vous souhaite, moi j'ai jamais vécu ça, mais je vous souhaite de le vivre. Mais là, les réponses à des prières sont parfois des toutes petites choses où Dieu intervient et on voit que Dieu intervient. J'aime raconter que quand j'étais pasteur à Bagnolet, il y a 8 places dans la cour de Bagnolet, voiture. Et il y a une règle, donc c'est le prédicateur, une place la trésorerie, une place la musique, une place le diaconat, c'est comme ça. Donc quand j'ai prêché, ce qui était le plus souvent le cas, j'avais une place. Quand je ne prêchais pas, ce qui arrivait parfois, je me garais dehors. Et là, si vous étiez déjà à Bagnolet, dans la zone parisienne, vous savez que se garer à Bagnolet, tu peux facilement tourner une demi-heure et même plus sans rien trouver. Quand je priais, parce que je n'avais pas envie de venir en retard, non plus de partir une heure pour chercher une place de parking. Donc j'ai dit, Seigneur, aide-moi s'il te plaît à trouver une place de parking. Vous savez quoi, en 4 ans que j'étais à Bagnolet, sauf une seule fois, chaque fois quand je suis venu pour me garer dehors, avant d'arriver à l'église, quand je tournais un peu les rues, j'ai trouvé une place. Chaque fois. Sauf une seule fois, je pense que le Seigneur a voulu me montrer comment c'est de chercher un tout petit peu. Et là, je suis allé devant l'église, j'ai laissé ma famille, et puis j'ai cherché un peu jusqu'au moment de trouver. Et ce que je vous conseille aussi, et la Bible dit, en psaume 103, « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie une partie de ses bienfaits. » C'est ça? Aucun. Nous n'avons pas la capacité de ne pas oublier, sauf si nous le notons quelque part. Mon conseil est, dès que le Seigneur a répondu, est intervenu dans ma vie d'une manière visible, notez-le quelque part avec date. Le Seigneur a fait ça. Et vous allez voir quand des difficultés vont apparaître. Et quand tu revois tout ce que le Seigneur a fait pour toi, que tu as oublié déjà, quel bien fou ça va amener. Maintenant, on peut enlever maintenant le... Ah bon, ça va. S'il est que là, c'est bon, j'ai pensé qu'il est toujours. Donc, je conseille fortement d'avoir au moins une prière sérieuse par jour. Une prière sérieuse par jour. Au moins une. Et je vais vous expliquer ce que je comprends par une prière sérieuse. Alors, si vous voulez noter ce que je vais dire, là, vous pouvez noter parce que ça, c'est plus... Maintenant, pour que la prière soit vraiment utile, il faut que le cadre corresponde. Ça veut dire, il faut que j'ai... Le Seigneur dit, va dans ta chambre, ferme la porte. Pourquoi fermer la porte? Pour ne pas faire ça devant les autres, ça c'était une raison, mais aussi pour être tranquille. Parce que pour avoir une vraie discussion, il faut qu'il n'y ait pas de bruit, pas de trucs, pas de discussion. Donc le cadre, il faut chercher un cadre où tu peux prier.
Le cadre, ça veut dire aussi le moment où que tu choisis. Mon conseil, d'ailleurs, c'est aussi celui de la Bible. Si vous prenez le psaume 5, le verset 3, vous allez voir que le psalmiste dit « Le matin, je viens vers toi ». Donc, le meilleur moment pour la prière sérieuse que j'ai, c'est le matin. Tout simplement parce que c'est le début de la journée où, entre autres, on présente et on se présente devant le Seigneur. Mais ce n'est pas exhaustif. Ça veut dire, il y a des personnes qui m'ont dit « Pasteur, je suis une personne du soir ». Prie le soir, fais ta prière sérieuse le soir ou à midi, quand tu veux. L'important, c'est de l'avoir. Mais le matin est le moment qui est le plus propice. Maintenant, ce que je vais faire, tout simplement, je vais vous donner une trame que je recommande moi pour la prière du jour. Une trame où moi, je considère que tout ce que je veux vous dire, il faut mettre. J'ai laissé à part quelque chose pour ne pas que ça vous ait l'impression que ça soit trop long. Après, si vous considérez qu'il y a une ou autre chose que vous pouvez laisser à d'autres, il n'y a pas de souci. Donc, je recommande qu'on commence avec des remerciements. Quand on commence à prier, il faut remercier le Seigneur. Pour ce qu'il a fait pour nous depuis quand? Très bien, très bien. 10 sur 10. Il y a des personnes qui disent « depuis ma naissance ». Non, depuis la dernière prière. Parce que si chaque fois tu pries et tu remercies, tu as remercié déjà ce qui était hier. Et les remerciements se font comme ça. Si tu pries, Seigneur, merci pour tout. Désolé, ça c'est poubelle. Tu peux faire ça du haut de la chair pour une prière publique. Mais dans une prière personnelle, il faut prier, Seigneur, merci parce que aujourd'hui, tu m'as permis de faire ça. Merci parce que mes enfants aujourd'hui ont bien mangé. Merci parce que j'ai pu dormir toute la nuit. Merci parce que je me suis réveillé que 3 fois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les remerciements se font de manière concrète. La même chose, nous, quand quelqu'un te remercie, écoute, merci pour tout. C'est pas la même chose que je te dis. Merci parce que tu m'as dit cette phrase-là. Et elle était très importante pour moi. Ça change. Pour Dieu, c'est la même chose. Donc, il faut faire l'effort pour dire les choses clairement. Ensuite, deuxième chose, c'est la demande de pardon. Je demande pardon au Seigneur pour tout ce que j'ai fait mal depuis. Bien sûr, bien sûr. Donc, par exemple, si j'ai ma prière sérieuse le soir, je vais demander pardon pour ce que j'ai fait la journée. Si j'ai ma prière sérieuse le matin, je vais demander pour ce que j'ai fait mal hier. Par exemple, moi, personnellement, je me rappelle mieux le matin de ce qui s'est passé hier que le soir, quand je suis très fatigué. Et la prière de pardon est aussi une chose sérieuse. On est devant le tribunal céleste. Il ne s'agit pas d'un truc... Donc là, on a une loi et on a des règles. Jésus a dû mourir pour que nous puissions avoir la possibilité de nous faire pardonner. Donc le pardon, ce n'est pas le sujet, mais il faut aussi regretter et tout. Mais quand on demande pardon. Donc, à nouveau, Seigneur, pardonne-moi tout ce que j'ai fait du mal. Là aussi, désolé, c'est poubelle. Quand je demande pardon, je dis, Seigneur, pardonne-moi s'il te plaît, parce que une sœur à l'église, après la prédication, est venue, m'a fait une remarque, et dans ma tête, je l'ai envoyée en Australie. Juste pour vous donner un exemple, mais vous comprenez de quoi il s'agit. Ou, nous les hommes, Seigneur, pardonne-moi, parce que aujourd'hui, quand je suis allé à la gare, il y avait une jolie femme qui était habillée plus que pour... voilà. Et moi, j'ai regardé fixement voilà. Et trop longtemps. Ce que je veux dire est que la demande de prière se fait pour ce que j'ai fait, j'ai commis, pour ce que j'ai regardé, pour ce que j'ai pensé. Donc, c'est un vrai travail que je dois faire pour demander. Après, je dois dire au Seigneur, « Seigneur, pardonne-moi si j'ai oublié quelque chose. Pardonne-moi les choses dont je ne me suis pas rendu compte. Parce qu'il y a les péchés faits par mes connaissances. J'ai le droit. » Mais après avoir fait vraiment le
travail. Vous savez, à propos, dernier exemple, je me racontais donc à Paris, quand je vais vers l'ouest, ça m'y est arrivé une fois et puis deux fois que le GPS m'a mis à cause des bouchons à travers le bois de Boulogne. Et un, je n'aime pas parce qu'il y a beaucoup de feux, de trucs. Mais, arrive au bois de Boulogne, et ceux qui ne savent pas, c'est une zone où les femmes proposent leurs services tarifés. Donc, en tant qu'homme, tu t'arrêtes au feu, après à droite, à gauche, voilà, tu te mets comme les chevaux avant, tu vois, des trucs comme ça pour regarder juste devant. Une fois, il était une sœur avec moi, on venait d'un enterrement, elle dit: Pasteur, regarde, regarde. Mais moi, je regarde devant, et pas derrière, je dois demander 50 fois pardon. Mais vous savez ce que, depuis. Donc, dès qu'il me dit « prenez à droite, côté de la Seine », je vais tout droit, non, 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 je vais là où le GPS ne va pas m'amener, là où je dois faire trop d'efforts pour rester. Mais ce que je veux dire est que, oui, pour ne pas perdre de temps, pour ne pas consommer beaucoup de temps en demandant pardon, mieux vaut ne pas pécher. On est gagnant sur tous les tableaux. Mais quand on a commis des péchés, il faut se rappeler, il faut faire l'effort et il faut demander d'une manière sérieuse au Seigneur. Ensuite, il y a ce que je recommande, la consécration et la présentation de la journée qui suit, aujourd'hui ou si c'est le soir, pour demain. Et là, j'ai une journée où je sais, il y a certaines choses que je connais, ce que je vais faire, et je présente tout ça au Seigneur. Il y a une rencontre qui est peut-être compliquée, je le présente devant le Seigneur, je lui demande la sagesse, il y a des choses qui arrivent, il y a toutes sortes de... Aujourd'hui, par exemple, je demande au Seigneur s'il y a des décisions que je dois prendre, parce qu'il y a des trucs, des demandes, il y a des décisions que je dois prendre sur le coup. Je dis: Seigneur, donne-moi la sagesse pour que les décisions que je dois prendre pour ton Église, au niveau de la trésorerie, soient des décisions qui sont en concordance avec toi. Donc, nous devons nous mettre ensuite pour les relations avec la famille, avec mon épouse, avec mes enfants. Vous voyez, donc tout ça, donc on demande au Seigneur, en sachant des choses qui vont arriver, qu'il nous accompagne, que son esprit est avec nous. Ensuite, il y a la partie que je considère la plus importante et aussi qui est la plus longue, qui est la partie croissance personnelle, relation avec le Seigneur, où je recommande de prier pour la prière elle-même, pour que le Seigneur m'aide à voir quels sont les sujets de prière les plus importants. C'est lui qui sait mieux que moi, pour qu'il m'aide à aimer la prière, pour qu'il m'aide à me concentrer. Donc, le sujet de la prière est tellement important que ça mérite de prier pour. Ensuite, pour ma relation avec le Seigneur, pour que j'arrive à l'aimer de plus en plus, pour que j'arrive à le connaître de mieux en mieux, pour que j'arrive à lui faire confiance, pour que je puisse marcher avec lui. Ensuite, pour ma relation avec l'Écriture, avec la parole. On va voir, ça va être aussi le deuxième sujet, mais pour qu'il m'aide à aimer de lire et d'étudier la parole, pour qu'il m'aide à comprendre ce que je vais lire, pour qu'il me garde des faux enseignements. Vous savez, aucune personne, si formée qu'elle soit, dans le domaine même, n'est pas à l'abri des faux enseignements si le Seigneur ne l'aide pas. Et le Seigneur a fait en sorte que il ne va pas, je dirais même, il ne peut pas autant intervenir dans ma vie si je ne prie pas. C'est pas comme si aujourd'hui je dis pas, j'ai oublié de dire Seigneur garde-moi, que c'est là où une pierre va me tomber sur la tête. Mais c'est qu'il y a une relation mystérieuse entre la prière et l'intervention du Seigneur. Et donc, il faut que je m'assure en prière que ces choses-là arrivent ou non. C'est pas tout. Donc la prière ne va pas tout faire, mais sans la prière, rien ne va se faire. Ensuite,
pour la mission personnelle. J'ai parlé ce matin, je vais parler un peu plus tard. Donc, si j'ai une mission, si je n'ai pas, il faut prier pour avoir un projet de mission personnelle. Si je l'ai, ou si j'ai plusieurs, là, je vais prier pour les sujets que j'ai. Ensuite, on a prié pour demander pardon. Mais maintenant, il faut prier pour vaincre le péché, pour vaincre la faiblesse, pour améliorer le caractère, pour l'annoblir. Et là, chacun de nous, nous savons quels sont nos, nous devrions savoir quels sont nos soucis et nos problèmes. Pour l'un, il ne peut pas maîtriser ses nerfs, l'autre, il a des problèmes sexuels, l'autre, il a des problèmes d'argent. Chacun, nous avons nos soucis. Maintenant, on les présente au Seigneur. Et vaincre le péché se fait d'une manière... Alors, le péché est fort parce que nous sommes faibles. Donc, c'est d'abord sur les genoux. Et il faut qu'on prie et d'une manière sérieuse pour que le Seigneur nous aide. Et vous allez voir, si vous n'avez pas fait l'expérience, qu'en priant, le Seigneur va nous donner la force pour le faire. Vous savez, il y a des choses que... moi, je suis de très impatient. Toujours eux, ce problème. C'est pour ça que mes parents ne m'ont pas donné à apprendre un instrument parce qu'ils ont dit qu'il ne va jamais... Et mon épouse me dit toujours, Erwin, tu coupes les gens. Et la raison, parce que je n'ai pas patience dès que j'ai l'impression de savoir de... Voilà, et c'est une lutte. Bon, je dis, Seigneur, donne-moi, aide-moi à avoir patience. Quand il y a un bouchon, quand il y a un... Vous savez, donc... C'est partout tu retrouves ça. Dès qu'il y a quelque chose, je vois que j'entre en stress. Donc, c'est un souci. J'en ai d'autres. Par exemple, quand on est pasteur déjà, mais en plus quand on est dans une position qui est humainement parlant, hiérarchiquement élevée, il y a toujours un danger qui guette et il s'appelle l'orgueil. Quand tu vois que les gens t'écoutent, ils te disent « mais très bien pasteur, il y a ça ». En plus, le pouvoir parfois qui vient à côté. Ce danger-là, il y a des personnes qui sont inclins vers l'orgueil, il y a d'autres qui sont moins. Même quand tu n'es pas, l'orgueil n'est jamais loin d'une personne humaine. Donc je demande, Seigneur, parce que si je commence à m'enorgueillir pour ce que le Seigneur fait avec moi, celui qui se frotte les mains, c'est Satan. Et là, tu peux oublier après l'influence, parce que toi, en tant qu'humain, tu ne peux rien. Parce qu'en nous, humains, il n'y a rien, il n'y a zéro de bonnes choses. Et surtout, il y a zéro qui peut aider les autres, si ce n'est pas le Seigneur à travers son Saint-Esprit. Donc, Dès que l'orgueil y est entré, tu as perdu les choses les plus précieuses. Donc voilà, il y a des sujets et chacun nous connaissons nos faiblesses. Et si on a des relations brisées, pour chaque relation brisée que j'ai, dès que j'ai une relation où ça ne va pas, je dois prier dans chacune de mes prières. Donc, vous ne voulez pas perdre de temps, mon conseil, faites en sorte de ne pas avoir des relations brisées. Mais une fois que ça est arrivé, il faut prier. Vous savez, alors dans ma vie, bien sûr, donc, en tant que pasteur, tu as toujours des personnes qui sont un peu compliquées ou ça ne passe pas. Mais j'ai eu vraiment une relation qui était terrible. Et j'ai prié pendant beaucoup de temps, Seigneur, fais en sorte que cette personne-là s'éloigne de moi. Fais-la partir parce que c'était très, très compliqué. Le Seigneur n'a pas répondu. Après des mois, j'ai changé la prière. Dis, Seigneur, fais que moi je parte. Le Seigneur n'a pas répondu. Après des mois, parce que la a duré pendant des années. Après des mois, j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à pardonner. Aide-moi à... Vous savez quoi? C'est là où le Seigneur a commencé à agir.
Et aujourd'hui, on n'est pas des meilleurs amis, on ne va pas partir ensemble, mais on est dans une relation très, très bonne. Le Seigneur fait des choses. Donc, dès qu'il y a une relation, il faut commencer à prier. Maintenant, désolé pour vous, si vous en avez 5, 6, 15 relations brisées, dans ce cas-là, il faut changer peut-être à l'intérieur. Voilà. Mais il faut prier. Ça, c'est la partie croissance personnelle. Jusqu'à maintenant, est-ce qu'on peut laisser quelque chose de côté et dire que j'ai une prière sérieuse? On peut laisser de côté la consécration et la présentation de la journée? Voilà, on va voir pour la suite. Donc, la partie famille. Déjà, il faut prier pour toi en tant que père, mère, frère, sœur, fils, fille, beau-frère. Nous avons tous des relations. Déjà, pour moi, pour que je sois un père, un époux, un frère, comme il le faut, comme le Seigneur le veut. Ensuite, pour les enfants. Voilà, maintenant, André, vous avez 4. Vous m'avez dit que vous avez 2. Vous avez des enfants? Pas encore. Vous en avez 1. OK, alors, comment est-ce qu'on prie pour les enfants? Seigneur, sois aujourd'hui avec tous mes enfants. Amen. Ça vous va? Donc, on commence avec le premier. Là, vous êtes heureuse. Vous avez 1, donc voilà. Donc, on commence avec le premier. Vous êtes d'accord? Et on le présente devant le Seigneur, avec ses faiblesses, avec ses problèmes, avec ses soucis, avec ses trucs. On sait chacun de nous ce qu'il y a avec les enfants. Alors, il y a ceux qui ont 5, 6, 7. Bon courage. Mais c'est comme ça qu'on prie pour les enfants. Et maintenant, André, il y a combien de petits-enfants? 17. On veut t'avoir. Ils l'ont rajouté? OK, voilà. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on veut que nos petits-enfants soient avec nous dans le ciel? Donc on va s'y mettre aussi. On va s'y mettre aussi pour eux, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc ça c'est une vraie prière. Ensuite, on a des parents, peut-être un père, une mère qui sont malades, qui sont âgés. On a des frères, des sœurs qui sont peut-être pas dans l'église. Ensuite, pour la belle famille. Maintenant, généralement, belle-fille et belle-mère, c'est pas toujours l'amour fou. Donc voilà. Donc pour la belle famille aussi, il faut prier. Il faut. Ça c'est la famille. On peut pas dire que j'ai eu une prière sérieuse si j'ai pas. Ensuite, pour l'Église, c'est l'objet de l'amour du Seigneur. On peut pas prier ne pas penser à son Église. Pour toi, en tant que. Alors, rassurez-vous, je ne veux pas vous dire qu'il faut prendre la liste des membres et prier pour chacun, non. Mais pour toi, en tant que le poste que tu as à l'église, tu es diacre, tu es pianiste, tu es, voilà. Si tu sais, Gaël, que tu es de service à la technique aujourd'hui, quand est-ce que tu vas commencer à prier pour que le Seigneur t'aide à faire ce service de la meilleure manière. Amen. 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 Donc, si je sais que je dois prêcher samedi à Épinal, je vais commencer dès dimanche matin dans toutes mes prières à demander au Seigneur, « Seigneur, donne-moi ton esprit, prépare-moi pour que je puisse délivrer le message comme il le faut. Parce que en moi-même, il n'y a rien. C'est que l'Esprit qui peut le faire, et pour ça, il faut s'assurer qu'il soit avec toi. Pour
tout ce qu'on fait. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de poste à l'église qui ne serait pas spirituel. Le diaconat spirituel, même si tu dis bonjour, d'ailleurs, si on dit bonjour à la porte, c'est extraordinairement important. Compter l'argent, c'est spirituel. Tout est spirituel. Je ne parle même pas de enseigner à l'école de sabbat ou de faire moniteur pour les enfants ou prêcher. Il faut prier. Donc, déjà, pour toi. Ensuite, chaque fois quand il y a un événement important à l'église, il faut prier pour. Quand moi, j'avais une évangélisation programmée, dénomination, j'ai commencé à prier dès septembre, quand je savais qu'en mars, j'ai dénomination, j'ai commencé dès septembre à prier dans chacune de mes prières que le Seigneur me prépare moi en tant que pasteur, qu'il prépare l'Église, qu'il prépare les personnes dans les commissions. Parce que si le Seigneur n'est pas, comment attendons-nous que des nominations, il y a tellement de postes, les personnes sont tellement différentes, se passent bien. Et d'ailleurs, je dis la chose suivante, il y a des personnes qui disent, est-ce que tu acceptes le poste tel? Et la personne dit, je vais prier, je t'en donne la réponse. Et la réponse est non. Ce n'est pas là qu'il faut prier. Au plus tard, il faut commencer à prier pour les nominations de son église quand on annonce à l'église que dans un mois ou deux, on commence. Et tu dois prier, Seigneur, appelle-moi là où tu veux. Et quand l'appel vient, j'ai que à dire oui ou non au cas où je sais que... Sinon, je dis, je vais prier, tu bloques la commission, elle ne peut pas avancer. Donc, ce n'est pas là où il faut, commencer et puis dire, Seigneur, appelle-moi là où tu sais. Et ça marche aussi pour les pasteurs. Vous savez, j'ai appris ça de mon père. Ça apporte des avantages si le père est pasteur. Une fois, dans sa vie de pasteur, c'était très mal. Très mal. À la fin, ma mère, elle est allée voir la fédération. Ils m'ont raconté, j'étais petit, pour dire... Si vous ne le prenez pas d'ici, il ne va pas survivre. Et c'est la seule fois où la famille était intervenue auprès de la fédération pour qu'on l'envoie là. Donc j'ai appris de dire, Seigneur, envoie-moi, appelle-moi là où c'est toi qui sais. Vous savez quoi? J'ai eu des moments difficiles, mais je n'ai jamais eu à regretter. En plus, si j'ai prié, je reçois l'appel à travers l'Église. Je dis oui, et il y a des soucis derrière. Je peux me tourner vers le Seigneur et lui dire, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé, maintenant, fais quelque chose. Mais si c'est moi qui ai joué les coudes, je suis allé là, et puis c'est difficile, vers qui je vais me tourner? Seigneur, mais maintenant oui, maintenant que répare les choses que moi j'ai cassées. Vous voyez? Donc, c'est très important de prier pour son Église. Ensuite, donc vous voyez, on parle mission, évangélisation. Si chaque personne prie dans chacune des prières à la maison pour ça, et ensuite on s'unit et on prie ensemble, là, ça va faire quelque chose. Ensuite, on devrait avoir dans sa prière aussi au moins un petit moment d'intercession. Parce que je prie pour moi, pour ma famille, mais je devais avoir aussi au moins une, deux, trois personnes pour lesquelles j'intercède, autre que moi et mes proches. Ensuite, la partie santé. Je peux prier pour les membres de la famille. Il y a toujours des personnes qui ont certains soucis. Bien sûr, je peux aussi prier pour moi-même, déjà pour que je mange sainement. Sinon, c'est un peu, on s'approche de dire au Seigneur, Seigneur, guéris-moi pour que je puisse continuer comme je l'ai fait. C'est un peu problématique. Mais après, quand j'ai des soucis de santé, j'ai le droit de dire, Seigneur, intervienne
là interviennent. Et avec l'âge, les soucis de santé, vous allez voir, ceux qui sont moins âgés que moi, que ça va. J'avais un ami qui, je dis, bon, j'ai un truc là, il m'a dit, regarde ta date dans la carte d'identité. Donc, ça s'ajoute. J'ai le droit de dire, Seigneur, s'il te plaît, fais ça, fais l'autre. Derrière, il faut aussi faire le sien, mais le Seigneur intervient. Ensuite, pour le travail, on s'approche de la fin, rassurez-vous, il n'y a plus beaucoup. Pour le travail, pour les collègues, pour les subordonnés, pour les supérieurs, pour les missions que j'ai. Le travail, il y a une grande partie de notre vie qui se passe au travail. Donc, il faut prier pour que ça puisse aller. Et dernière chose, et je l'ai mise en dernier pour deux raisons. La dernière chose, c'est pour les parties matérielles. Dernier, parce que nous sommes tellement rapides à demander au Seigneur des bénédictions matérielles. Parfois, nous avons l'impression que le bonheur, ça passe par le matériel. Et je veux me dire à moi-même, le matériel est ton dernier. Le matériel, c'est ce que le Seigneur m'offre le plus facilement. Pour me donner un truc, il n'a qu'à claquer du doigt et ça m'arrive. Mais pour changer mon caractère, ça n'a rien à voir. Et deuxième chose pour laquelle je mets le matériel en dernier, c'est parce que vous pensez qu'une prière sérieuse, j'ai besoin de combien de temps à peu près? Je peux le faire en 15 minutes? On a besoin de combien de temps? Ça fait du temps, vous voyez? Donc, comme je suis toujours pressé, je veux que si je dois bâcler quelque chose et je dois faire rapidement parce que sinon, que ce soit la partie matérielle qui saute et pas les autres. Maintenant, je vais vous dire ce que je fais moi et je vais vous donner un conseil. Alors, la seule chose que je peux faire pour m'en sortir, dans notre fonctionnement en tant que famille, j'ai dit à mon épouse, écoute, je veux aussi contribuer, comme mon épouse ne travaille pas, c'est elle qui fait la plupart des choses à la maison et c'est un boulot à temps plein, donc même deux temps plein. Voilà. Donc, je lui dis, écoute, je veux aussi contribuer avec mes enfants, je ne veux pas à la fin de dire que moi, je ne l'ai même pas vu grandir, comme je suis toujours... Donc, le matin, c'est moi qui m'occupe à leur préparer le petit déjeuner. Pour que je prépare le petit déjeuner, je dois le faire avant qu'ils partent à l'école et pas après. Alors, je dois me réveiller à 5 heures, sinon je ne m'en sors pas. Donc, que ce soit, je me réveille toujours à 5 heures parce que si je n'ai pas au moins une heure devant moi pour la prière, je ne commence même pas. Si j'ai une heure, je le fais rapidement et alors, de temps en temps, je dois regarder la montre pour voir où j'en suis. Si j'ai une heure et demie, là, je suis tranquille. Maintenant, le conseil que je vous donne, prenez, si vous n'avez pas fait l'expérience d'une vraie prière jusqu'à maintenant, prenez une demi-heure. Une demi-heure. Pour prendre une demi-heure le matin, il faut la prendre du soir. Couchez-vous une demi-heure plus tôt et vous allez pouvoir vous réveiller une demi-heure plus tôt. Vous êtes gagnant sur les deux tableaux parce que c'est le sommeil du soir qui est beaucoup plus valeureux. C'est le sommeil du soir qui fait reposer le cerveau et qui fait les choses se mettre dans le cerveau. Le sommeil du matin est important aussi, mais pour la partie physique plutôt. Et si vous n'avez pas fait l'expérience, je sais que certains le font, mais si vous n'avez pas fait l'expérience, je vous garantis, en 3 mois, il y a 2 choses qui vont se passer. 1, vous allez voir avec les yeux, sans lunettes, sans rien, des choses qui ont changé dans vos vies. Parce qu'il n'est pas possible d'être en contact direct avec le Seigneur de l'univers et que ça ne se voit pas. Et 2, je suis désolé pour vous, mais vous allez voir qu'une demi-heure,
Pas vite. Passé. Commencez avec une demi-heure. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Il y a des personnes qui disent, oui, mais on peut prier aussi quand on est sur la route, quand on est... Oui. Mais c'est un autre type de prière qui va s'ajouter à l'autre. Il y a des prières comme ça. Donc, il y a même un exemple biblique qui est très, très bon, Néhémie. La Bible dit, Néhémie a vu le roi lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Et la Bible dit, Néhémie a prié et il a dit, ou j'ai prié et j'ai dit. Donc ça, il n'avait pas le temps d'aller, de prendre le temps. Mais il y a une longue prière avant. Donc il avait prié avant, et puis cette prière-là était juste pour venir derrière. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut faire aussi, il y a des personnes qui me disent, mais si j'ai une demi-heure là, ça va aussi. Ça va aussi. Le Seigneur, il est tellement bon. Il va... Il n'y a pas de question, là j'avance parce que j'ai encore de sujets. Alors, deuxième sujet, c'est la parole de Dieu. Si la prière c'est l'air, la parole de Dieu c'est la nourriture spirituelle. Si on ne mange pas, qu'est-ce qui va se passer? On va mourir. Un peu plus lentement voilà, mais on va mourir quand même. Alors, je lis et j'étudie la Bible et des livres spirituels chaque jour pendant. Là aussi vous avez... Très facilement, 0, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, plus 1 heure. La lecture et l'étude de la parole est pour moi non seulement un devoir, mais aussi un plaisir. On a vu ça aussi pour la prière. À travers la lecture et les études, je découvre régulièrement des choses nouvelles. Ça, c'est logique si j'étudie. D'ailleurs, ce matin, j'étais dans cette classe d'école de sabbat là, et j'ai vu qu'il y a beaucoup de connaissances bibliques. Donc, ça m'a beaucoup plu. Quatre, mes connaissances de Bible augmentent régulièrement, ce qui est logique aussi, et la lecture de la Bible a un fort impact dans ma vie. Mes amis, la Bible a une valeur que nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas encore arrivés à la percevoir. C'est la pensée divine faite de telle manière pour que un cerveau humain puisse la comprendre. Et nous en servons très, très peu. Et il y a trois manières de s'approcher de la Bible. Un, c'est la lecture de la Bible. La lecture de la Bible nous amène des connaissances en premier. Pas seulement, mais des connaissances. Deux, c'est l'étude de la Bible quand on se penche sur un sujet, sur un texte, quand on va en profondeur. Et trois, c'est la méditation. C'est de réfléchir à ce que j'ai lu. Donc, par exemple, ce matin-là, j'ai lu et j'ai découvert un truc où je n'avais pas pensé avant de telle manière. D'ailleurs, le fait que la Bible est inspirée, tu la vois aussi, tu peux lire 20 fois un passage, et la 21e fois, tu le découvres comme jamais auparavant. Et il te parle d'une manière toute neuve et extraordinaire. Donc, par exemple, ce matin, je suis tombé sur le texte en Genèse où Dieu dit à Agar, « Va, retourne chez ta... » Alors, Agar, servante ou esclave de Sarah, retourne chez ta maîtresse et humilie-toi devant elle. Et moi, je me suis dit, Seigneur, le fait de demander à quelqu'un d'aller quelque part où Sarah, à ce moment-là, ne se comportait pas d'une manière juste avec Agar. Agar avait, c'est d'elle que c'est parti, mais ça, alors, la Bible a dit que Sarah a essayé de faire la vie difficile à Agar. Et quand tu es maître et chef, faire la vie difficile à tes subalternes, c'est très facile. Et elle était esclave. Et le Seigneur lui dit, va, reste esclave chez ta maîtresse et humilie-toi. Pensez-vous que
c'est que Agar, que le Seigneur dit ça, parfois nous-mêmes nous avons besoin de des expériences comme ça. Donc voilà, juste un petit. Donc la Bible, elle est tellement riche et elle est faite pour que nous nous approchons d'elle. La Bible n'est pas faite pour que ça soit que le pasteur, que le moniteur de l'école de sabbat, que le questionnaire de l'école de sabbat, que Ellen White qui nous explique la Bible. Ellen White nous explique la Bible très bien, c'est d'une manière inspirée, je le crois fortement. Je suis un whiteiste, mais il ne faut pas lire la Bible à travers Ellen White uniquement. Lire Ellen White devrait nous faire lire la Bible encore plus. Parce que la Bible est d'une profondeur on ne peut pas s'imaginer. Et en plus, elle est tellement actuelle, mes amis. Je découvre depuis mes 16 ans. À 16 ans, j'ai eu une expérience très dure. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai honte quand je pense à cela. J'étais jeune à 16 ans, dans un groupe, ce n'était pas dans notre église, c'était dans une église à 60 km. Et là, il y avait des personnes, aussi des filles, donc j'étais très apprécié. Voilà, c'est le moment où l'estime de soi se construit et tout. Et comme mon père était pasteur, j'avais des connaissances, voilà, les gens m'appréciaient, j'étais toujours très, très bien traité. Et le pasteur parle de l'importance de lire la Bible quand je le fais moi maintenant. Il y a une fille un peu plus âgée que moi qui se tourne vers moi comme ça et me dit « Ervin, t'es où avec la lecture de la Bible ?» En Roumanie, à ce moment-là, il y avait une habitude, même le calendrier, il y avait des calendriers avec la date, avec l'heure du coucher du soleil, le vendredi et samedi. Et chaque mois, il était écrit « Quel livre de la Bible tu dois lire pour terminer la Bible en une année, de A à Z ? » Donc Genèse, Exode, c'était en janvier, jusqu'à Deutéronome 12 en février. Ensuite, bon, je sais que Psaume 90 en fin juin, voilà. Et donc, beaucoup de gens lisaient la Bible habituellement. Donc, elle se tourne vers moi et dit « Ervin, tu es où ?» Et moi, je réponds « 1 Samuel » ou « 2 Samuel », je ne sais plus. Et derrière elle, « Ah, t'es bien avancé !» Et moi, j'avais une honte que j'aurais aimé entrer dans la terre parce que je n'avais même pas commencé. Et en plus, comme c'était rapide, je n'ai pas réfléchi que c'était janvier, février. Donc, quand je dis 1 Samuel, c'était beaucoup plus... Donc, je me suis dit à moi, quand je vais venir la prochaine fois ici, dans un mois ou deux, je ne sais pas, je vais avoir dépassé 1 Samuel. Depuis ce jour-là, il n'y a pas une année qui est passée sans que j'ai lu la Bible de A à Z. Aujourd'hui, je suis à 35, 6, je ne sais même pas. Et chaque fois, je découvre des choses que je n'ai pas vues auparavant. Et les parties de la Bible qui étaient les plus compliquées au début, comme Ézéchiel, Jérémie, aujourd'hui, je les aime le plus parce que je découvre toujours des choses nouvelles. Et je reviens. La Bible est d'une actualité qu'on ne peut pas s'imaginer. Regardez une chose. Vous vous souvenez de la période du Covid, vaccin et toutes les... Vous savez que la population chrétienne est plus susceptible d'être attirée vers des théories conspirationnistes. Pourquoi ? Parce que déjà la Bible et les conspirations. Alors, la Bible, nous avons une vraie conspiration en Apocalypse, qui nous montre qu'est-ce qui se trame derrière. Mais les chrétiens sont c'est pour ça aussi que, par exemple, en France, là où le conspirationnisme et l'anti. Alors, vaccin, chacun fait ce qu'il veut. Ceux qui veulent se faire vacciner, il se fait. Ceux qui ne veulent pas, mais on n'a pas à forcer l'un l'autre. Mais je parle maintenant de toutes ces théories qui disent voilà, ça s'est fait pour qu'en 3 mois ou 3 années, toute la population du monde diminue et toutes sortes de. Voilà. Et puis je tombe sur un texte dans la Bible qui parle exactement de ça. Parce qu'aujourd'hui, si tu vas sur des réseaux sociaux, sur des trucs, des théories conspirationnistes qui... Et la Bible en parle. Le saviez-vous?
Alors, juste, ça c'est juste pour donner un exemple. Je vais lire d'abord, et puis je vais vous donner la référence. Vous n'appellerez pas, dit la parole de Dieu, conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. Donc, Dieu dit dans sa parole, n'appelez pas conspiration tout ce que autour de vous les gens disent que c'est conspiration. Vous ne craindrez pas ce qu'il craint et vous ne le redoutez pas. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre. C'est vous, lui que vous devez redouter. Ésaïe 8, 12 et 13. Ésaïe 8, 12 et 13 dit, mes amis, les théories conspirationnistes sur les réseaux sociaux, là c'est leur terreau principal. Tu veux te gaver de théories conspirationnistes, va sur les réseaux sociaux. Fake news, la même chose. La parole de Dieu dit, attention, ne croyez pas ce qui se dit parce que ça va vous mettre en difficulté et ça ne vous aide pas. Jamais auparavant, les théories conspirationnistes n'étaient pas aussi nombreuses qu'aujourd'hui. La Bible a été écrite il y a 2000 ans et c'est dedans. Encore plus actuel, on a discuté ce matin un peu au moment de la leçon. Quel est aujourd'hui le sujet le plus actuel qui existe partout, presque partout dans le monde, dans les journaux, tout. Le plus actuel aujourd'hui, c'est quoi? Écologie. Écologie. Ah, vous savez que la Bible en parle et parle beaucoup. D'ailleurs, je l'ai dit déjà, je fais pour ne pas perdre la main un peu, comme je n'ai plus d'église, je fais des méditations sur YouTube et jusqu'en ce moment-là, passe une série de 6 à ce sujet-là. Mais la Bible en parle. Si je demande en positif ou en négatif, vous allez pouvoir vous tromper éventuellement. Alors, à nouveau, je vais lire d'abord le texte. D'ailleurs, sur l'écologie et tout ce qui tient d'elle, j'ai trouvé, moi, au moins une vingtaine de passages. Je vais vous dire que un, parce que ce n'est pas le sujet, mais juste pour vous montrer quelle valeur nous tenons dans nos mains, qui nous montre par où aller et comment voir ce qui se passe autour de nous. Alors, écoutez ce que dit la Bible. Il faut que je change mes lunettes. La terre se fissure ou se brise dans certaines traductions. La terre craque. La terre est secouée. La terre titube comme titube l'ivrogne. Elle vacille comme une cabane. Est-ce que ce qui est écrit là, c'est la même chose que dit aussi l'écologie? Oui ou non? La terre va mal. La terre est en train de tomber à part. Est-ce que c'est la même chose? Donc le constat est le même. Maintenant, la Bible donne la raison. Et nous allons voir si c'est le même que l'écologie. Son péché pèse sur elle. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? La Bible dit que la terre tombe à part à cause du péché. D'ailleurs, mes amis, encore la Bible nous dit, voilà, de là. Est-ce que vous avez entendu des écologistes qui disent il faut se repentir, il faut se retourner vers Dieu, il faut se... Bien sûr que non. Bien sûr que non. Parce que l'écologie aujourd'hui est une religion. Je suis désolé pour ceux qui, peut-être que je vous bouscule, mais l'écologie est une religion. Une religion qui a ses prophètes, qui a ses fanatiques, qui a ses sceptiques, qui a aussi un évangile.
Vous savez quel est l'évangile de l'écologie? L'évangile de l'écologie est l'homme peut et doit sauver la terre. C'est l'évangile de l'écologie. L'homme doit sauver la terre. C'est Jésus qui va sauver la terre et pas l'homme. Qui va refaire la terre. Donc, et d'ailleurs, réchauffement climatique. Vous n'avez pas d'idée combien de textes parlent du fait qu'à la fin des temps, il va y avoir le feu, il va y avoir la sécheresse, il va y avoir... Et puis, il y a des textes qui disent le pain ne va pas manquer, ça nous le connaissons, le soleil ne va pas vous brûler. Le Seigneur a prévu non seulement le manque de pain, parce que ça, mais aussi le fait qu'il y aura des soucis. Et puis si vous allez un peu en Ellen White, vous allez trouver aussi que Satan est à l'origine de beaucoup des choses qui se passent. Et là, on peut avoir une image entière. D'ailleurs, pour finir, le sujet n'est pas celui-là. Mais pour finir, sachez-le bien que on a discuté ce matin. Pourquoi? Parce que si on creuse un peu plus, vous allez découvrir qu'il y a un lien assez étroit entre l'écologie et devinez quoi? Tout ce qui est spiritisme, sorcellerie, spiritualisme. Juste pour vous montrer, les sorciers, d'où disent-ils tirer leur force et leur pouvoir? De la terre-mère, Gaïa, terre-mère, nature, feu, air. Alors, attention, je répète ce que j'ai dit ce matin. Je ne dis pas que les écologistes sont tous des sorciers ou des spiritistes. Non. Je dis que la philosophie qui est portée politiquement par l'écologie, c'est de là où il y a le lien. Je ne dis pas qu'il faut détruire la terre sciemment. Ce que je dis est que l'écologie, mes amis, ce n'est pas notre combat. Notre combat est de sauver des âmes précieuses pour lesquelles le Seigneur est mort. Et le Seigneur va s'occuper, lui, de la terre. On n'a pas à détruire. Alors, je ne vais pas jeter mon huile de moteur comme ça dans la nature. On est d'accord. Parce que la terre est notre maison. C'est Dieu qui nous l'a donnée. Et on ne va pas la détruire juste parce qu'on a envie de le faire. On va pas vivre pour ma... Je vais pas vivre pour ma maison. Je vais pas mourir pour ma maison. D'autant plus que le Seigneur va la changer. Mais ce que j'ai voulu dire est que si on lit la Bible attentivement, on trouve énormément de réponses qui sont tellement actuelles qu'on s'imagine pas. Si on la lit, pas. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Ésaïe 24, 19 à 20. Merci. Et je vous donne aussi le texte dont j'ai dit, Ésaïe 49. Alors, si vous voulez plus sur l'écologie, je fais un peu de pub pour le YouTube de la FFN. Donc, allez sur YouTube et c'est juste en ce moment-là, il y a une série où je parle de l'écologie. Mais pas de cette dernière partie parce que ça serait trop, trop... Mais Ésaïe 49, 10, c'est le texte dont je vous avais parlé, qui dit « Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif, la chaleur et le soleil ne les feront pas souffrir. » Faim et soif, nous avons tous connu ça. Mais pour la chaleur, on ne s'est pas dit parce que on avait toujours trop peu de soleil et de chaleur. On avait voulu plus. Mais le soleil, le Seigneur l'a prévu qu'il y aurait des soucis. Et il nous donne la promesse même avant qu'on y ait. Alors, troisième sujet. Là, on va aller un peu plus vite pour que j'ai le temps de parler aussi sur la mission. L'implication dans l'Église. L'Église est l'objet de l'amour du Seigneur. Si je veux être un disciple du Seigneur, je ne peux pas ne pas m'impliquer dans l'Église. Le ou les postes que j'occupe à l'Église me demandent du temps. Jamais, une fois par mois, une fois par semaine, plusieurs fois par semaine, chaque jour.
Le temps par semaine, parce que le temps compte aussi en heures. J'accepte n'importe quel poste que je peux faire physiquement, pas seulement celui qui me convient. Alors, ce matin, je ne le savais pas, maintenant je sais que vous avez des nominations dans l'Église. Alors, regardez bien la question 3. Et pour avancer dans le discipulat, vous n'avez que faire ainsi quand la commission va venir vers vous. Et ceux qui sont sur YouTube et ceux qui ne le sont pas, montrez-leur cette vidéo avant de leur demander de la part de la commission de... 4. Je m'implique sans aucune condition. Responsable, atmosphère, charge de travail, le pasteur, tant que c'est possible physiquement. Il y a des personnes, tu leur demandes, est-ce que tu acceptes le poste d'animateur ? École de sabbat. Qui est responsable? Ce n'est pas la meilleure question quand on veut servir le Seigneur. Maintenant, une commission sérieuse va savoir qu'il y a entre X et Y des incompatibilités. On ne va pas les mettre ensemble si on sait qu'ils ne sont pas encore prêts à avancer. Mais voilà. Et 5, suite à mon implication, l'Église va mieux, les choses avancent, il y a un réel impact positif. Chacun peut voir si c'est vraiment le cas. 4. Ce n'est pas seulement ce que je fais, c'est aussi, diapo suivante, s'il vous plaît, c'est aussi avec quelle attitude je le fais. Alors, je commence avec la cinquième question parce qu'elle elle tient un peu de sujet d'avant. J'adore être impliqué dans les activités de l'Église, faire l'œuvre avancer. Là, il y a un R qui manque. Donc, c'est le plaisir avec lequel je m'implique pour le Seigneur. Maintenant, question 1. Je suis quelqu'un de très reconnaissant envers le Seigneur. Je ne me plains pas. Nous avons un Seigneur qui prend soin de nous. Nous bénéficions d'énormément de bénédictions. Et nous sommes pourtant tellement rapides à nous plaindre. Je sais que nous habitons en France. Et la France, elle est championne du monde, pas seulement au foot, mais aussi au mécontentement, et au râlement, et aux grèves, et au tout ce qui va avec. Nous habitons un des plus riches pays du monde. Ce n'est pas le plus riche, mais c'est un des pays les plus riches. Et les gens se plaignent comme si... Écoutez, moi j'ai habité en Roumanie. Bon, c'est vrai que j'habitais aussi en Allemagne. L'Allemagne est au-dessus, il faut le dire. Donc, beaucoup de choses. Mais, pour certaines personnes en France, je les enverrai volontiers pour un séjour de 6 mois en Corée du Nord. Pour qu'ils voient ce qu'est dictature, communisme et tout. Voilà. Mais c'est le Seigneur qui va s'en charger de faire. Mais il faut, en tant que chrétien maintenant, en tant que Adventiste du septième jour, en tant que disciple du Seigneur, ça ne va pas d'aller dans la vie se plaignant du matin jusqu'au soir. Nous avons des soucis qui arrivent. Il y a des moments où il faut pleurer. Mais même là, il faut dire merci Seigneur parce que je ne suis pas seul. J'avais un ancien à Bucarest, je n'ai jamais oublié ça, dans une de mes premières églises. C'est vrai, son épouse était malade. Et tu lui demandais, mon frère, comment ça va ? Ah, mon frère, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. S'il y a quelqu'un qui peut être reconnaissant, ça c'est nous, mes frères et sœurs, qui avons un espoir. Et nous pouvons aller à l'avant en sachant que n'importe quelle chose arrive, le Seigneur est avec nous. 2. Je fais totalement confiance à Dieu. Même quand il y a des moments difficiles, il sait pourquoi il le permet. L'attitude de confiance envers le Seigneur, c'est une autre attitude qui... Et d'ailleurs, elle se voit quand il y a des moments difficiles. 3. Je fais très attention à mon image. Pour tout ce que je fais, je regarde l'impact sur mon image. Nous vivons dans un monde d'image. Et on ne va pas se moquer de son image. Mais, si c'est sur l'image qu'on construit, mes amis, si derrière il n'y a rien, ça va mener à rien.
Occupons-nous de notre relation avec le Seigneur, de notre caractère, et laissons le Seigneur s'occuper de notre image. Nous n'avons pas à lutter et à investir dans l'image. D'ailleurs, c'est parfois même très compliqué de le faire, parce que les gens vont penser ce que eux, ils veulent. Et en tant que pasteur, j'ai vécu des moments où l'image de l'Église était plus élevée, meilleure que la réalité que je connaissais. Et j'ai vécu aussi l'inverse, que l'image que l'Église ou certaines personnes de l'Église avaient de moi était moins bonne que la réalité que je pensais connaître. Vous savez quoi? Je préfère la deuxième. Parce que si vous avez une mauvaise image de moi, alors que ce n'est pas la réalité, c'est votre souci, ce n'est pas le mien. C'est à vous de vous débrouiller avec ça. Mais si vous avez la meilleure image de moi et qu'à l'intérieur c'est pourri, à quoi ça va servir à long terme? Si je vais... Vous savez, vous ne savez pas, on ne sait pas tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'autre. Vous ne savez pas quelle est la raison pour laquelle je suis ici avec vous. Vous ne savez pas si c'est pour servir le Seigneur ou pour me faire pour avoir des voix pour, je ne sais pas. Vous voyez? Mais il y a deux personnes qui le savent. Un, c'est le Seigneur. Et deux, même si je peux me mentir parfois à moi-même parce que parfois c'est tellement pourri que je n'arrive même pas à, voilà, moi-même je le sais aussi. Et quand je vais à la maison, je me regarde dans le miroir. Vous m'avez dit, super pasteur, je me regarde dans le miroir et je vois que du péché et du... À quoi ça va servir? L'idée n'est pas de montrer au grand jour ce qu'il y a de mauvais en moi. L'idée est de se mettre avec le Seigneur en lutte pour que ça change et que la réalité soit comme le Seigneur le souhaite. Et puis l'image... Faites ce que vous voulez, vous, avec mon image, tant que je suis en ordre avec le Seigneur. Donc, lutter pour son image, mes amis, n'est pas la bonne lutte. 4. Dans tout ce que je fais, je pense à mes intérêts et avantages. Ça, c'est l'égoïsme en nous. Depuis la tombée du péché, dans le péché, nous sommes des êtres égoïstes qui pensent en première à elles-mêmes, à eux-mêmes. Et chacun, d'ailleurs, presque tous les péchés, on peut démontrer que ça vient de l'égoïsme, de l'amour de soi. Et nous avons une lutte à mener avec cela. 5. Là, c'est mon sujet préféré. La mission. Alors, j'ai au moins un projet personnel de mission en cours. C'est là où je vais insister. 2. Je suis impliqué directement dans les projets missionnaires de l'Église. 3. J'aime faire la mission. Voilà, à nouveau, le plaisir. 4. Mon activité missionnaire, les deux dernières années, a des résultats par la grâce de Dieu. Les résultats ne veulent pas dire, voilà, j'ai parlé avec une personne, tout de suite, elle s'est décidée pour le baptême. Mais les résultats, c'est aussi... J'ai eu aujourd'hui une discussion sur la foi avec quelqu'un. C'est déjà un résultat. Et 5, je suis en train d'accompagner une ou plusieurs personnes dans leur avancement spirituel. Là, c'est la longue durée. Là, vous pouvez mettre le double des points, si vous voulez, parce que c'est quelque chose de très valeureux de faire la mission par l'amitié, par la relation. C'est difficile parce que c'est du long terme et c'est très valeureux. Maintenant, là où j'insiste beaucoup, parce qu'on parle de discipulat, on s'approche de la fin, mes amis, et le monde a besoin d'entendre que le retour de Jésus est proche et qu'il y a une possibilité de salut. Donc, j'insiste fortement, on devrait avoir chacun de nous au moins un projet missionnaire personnel, à part de ce qui se fait à l'Église. Je devrais être impliqué, le responsable de mission de l'Église. Son rôle n'est pas à faire lui la mission, son rôle est de proposer des actions, des projets pour que les gens puissent s'impliquer, pour qu'à la fin, personne ne dise « moi j'ai voulu, mais on ne m'a rien proposé ». Mais ça c'est l'Église.
au plan personnel, chacun devrait avoir son projet. Et de temps en temps, l'Église devrait faire une rencontre où les personnes racontent leurs projets, racontent des expériences et donnent des idées et donnent de l'envie aux autres. Il y a plusieurs... Alors, la bonne nouvelle, la première bonne nouvelle est que ce n'est pas que de porte à porte. Avant, c'était la mission, c'était porte à porte ou rien. Et porte à porte, c'est très, très compliqué de faire. Il n'y a pas tout le monde qui peut le faire. Tu dois avoir une certaine structure pour bien le faire. Mais ce n'est pas que... Alors, aujourd'hui, de toute façon, la porte à porte, c'est... voilà. Non, mais eux, ils font plus de... Alors, ils le font, mais eux, ils sont, vous voyez, ils sont avec les livres, ils ont aussi changé de méthode. Mais ils le font encore. Ouais. Donc, mais il y a beaucoup de possibilités. Donc, premièrement, c'est les études bibliques. Écoutez, les études bibliques, ça n'est pas que pasteur et ancien. Dès que quelqu'un vous dit, mais j'aimerais savoir, proposer des études bibliques, même si vous ne savez pas beaucoup de choses, proposer des études bibliques, vous vous faites parvenir un des questionnaires, on a plusieurs, et vous posez des questions, vous lisez les... S'il y a des questions, vous posez après au pasteur pour qu'il vous explique, ça va vous aider à progresser. Et les études bibliques, c'est une des plus jolies choses, plus belles choses qu'on peut faire, accompagner les personnes pour connaître le Seigneur. 1. 2. Il y a ces actions-là dont j'ai parlé d'accompagnement. Les actions où on a une relation de longue durée avec les voisins, avec les collègues, avec dans la famille. Là, c'est de la longue haleine. C'est comme moi, j'ai des soucis avec la patience. C'est ce type d'action qui m'est très difficile. Et je me suis mis, par exemple, j'ai d'ailleurs prié pour quelqu'un n'est pas encore une action, un projet missionnaire. Prier et agir, là ça devient un... prier seulement, ça c'est intercession, tout au plus. Donc j'ai par exemple des voisins, 8 dans le bâtiment où nous vivons, et je prie pour dans chacune de mes prières pour tous mes voisins pour que le Seigneur m'ouvre des portes vers eux. Je ne suis pas encore arrivé qu'ils me demandent des études bibliques. Je prie pour ça. Mais on a des bonnes relations avec tous les voisins. Et il y a, alors par exemple, je vous donne un exemple. Une famille, ils sont partis entre-temps, c'était pendant le Covid, on discutait avec un autre voisin et la voisine s'est approchée et nous a entendu parler des trucs qui se passent dans le monde. Elle a dit, moi je suis athée. Elle a dit, ça tombe bien, moi je suis pasteur. Et on a commencé à parler, on avait... À Noël, à ce moment-là, mon beau-père travaillait dans le miel en Allemagne et je suis allé chez tous mes voisins avec un petit pot de miel. J'ai dit, écoutez, voilà, je vous ai... Et quand ils sont partis, les voisins, je suis allé avec un sac, avec un pot de miel et j'avais mis la tragédie des siècles et je pense Jésus-Christ, je sais, le meilleur chemin. Et j'ai dit, écoutez, voilà, un pot de miel et je vous donne aussi un livre. Et sachez que, comme vous avez dit que vous êtes athée, si vous auriez un jour un souci, vous ne pouvez pas en sortir, vous avez mon numéro, appelez-moi et on va voir si Dieu existe. Jusqu'à ce moment-là, elle ne l'a pas fait, mais on a sur Facebook. Voilà. Donc aujourd'hui, avec tous mes voisins, et un jour Amazon est venu, ils m'ont appelé, voilà, je n'étais pas à la maison. Je ne sais pas pourquoi ça tombe souvent le samedi quand ils arrivent. J'ai dit, écoutez, laissez le paquet chez un de mes voisins. Mais chez qui? A, B, C, D, mais vous connaissez tous vos voisins. Je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, si je prie chaque jour pour eux, je connais les noms. Mais c'est de la longue haleine. Mon fils, il a un ami à l'école, sa maîtresse, et la maman de jeune homme, et maîtresse à la même école. Et les liens se sont faits, ça s'entend très bien. Et mon épouse, donc, ils ont invité chez eux un après-midi. Donc, mon épouse est allée avec eux, avec mon fils. Et quand elle est revenue,
Elle dit, mais tu sais, lui, il est italien, elle est haïtienne d'origine, et ils m'ont dit qu'ils croient aussi en Dieu. On a discuté, on a... Bon, très bien, voilà, voilà ton projet missionnaire que je puisse avoir. Et puis, il y a 2 semaines ou 3 semaines, voilà, mon épouse m'a dit, Erwin, est-ce que tu es aujourd'hui... Non, comment elle a dit? Elle a dit, je veux les inviter un jour où tu n'es pas là. Comme ça, je peux quand tu es au bureau, je peux faire, tu ne me déranges pas, le truc. Et puis, elle a invité le soir. Non, oui, le soir, elle m'a demandé, demain, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je suis au bureau. Bon, je ne savais pas pourquoi elle m'a demandé. Le matin, je me suis réveillé. Je me suis dit, mais le président aujourd'hui n'est pas là, le truc n'est pas là, je reste plutôt à la maison et je fais du télétravail parce que j'avance. Le matin, j'annonce, je reste à la maison. Mais mon épouse me dit, mais pourquoi tu n'as pas dit ça depuis hier? Parce que j'ai dit qu'aujourd'hui, il y a Gerline qui vient avec et tu es à la maison. Elle me dit, mais écoute, c'est quoi? Oui, mais tu sais que moi, je veux être libre et toi, tu es là, tu me déranges, tu passes par là. Mais elle me dit, écoute, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, vous savez, quand les femmes ont un truc en tête et puis ça leur paraît que le monde tombe. Donc, je me suis mis petit, voilà. À midi, Madame Traglia et son fils sont venus et mon épouse leur a montré un peu la maison et j'étais dans mon... on n'a pas une grande maison, donc mon bureau est dans la chambre à coucher. Voilà, donc elle est venue montrer, elle dit voilà mon mari, il est là, j'ai pensé qu'il va partir. Tout de suite, elle a commencé, ah oui, et comment c'est ça, et quelles sont les différences, et quelles sont... Donc, elle avait une soif de connaître et d'apprendre. Et mon épouse me dit, écoute, parce que je lui dis, écoute, propose-lui éventuellement. Non, mais pas tout de suite, tu veux tout de suite donner des livres, tu veux tout de suite... Donc, elle a commencé, et tout... Alors, j'ai pas pu travailler, c'est pour ça que j'ai pas pu travailler. Pendant 2 heures et demie, on a parlé... Et parler. À la fin, mon épouse me dit, Erwin, s'il te plaît, pardonne-moi, c'était tellement bien que tu étais là, parce que je n'aurais jamais pu répondre à toutes les choses, à toutes les questions, à toutes les... Donc, le Seigneur fait des choses. Il me dit, bon, écoute, j'ai fait mon truc, mais c'est ton... moi, j'ai assez des projets missionnaires, prends un et maintenant, mène-le, voilà. Ensuite, il y a les réseaux sociaux. Je vois très bien qu'ici à Épinal, vous êtes très avancés en ce qui concerne le numérique. Donc les réseaux sociaux, le numérique aujourd'hui, c'est pour la mission, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc regardez, tu peux dire au Seigneur, « Seigneur, je te donne une demi-heure par semaine pour mon projet missionnaire. » Tu crées un compte sur Instagram, Facebook, quelque chose, et tu fais que mettre en ligne un texte biblique, une image, un chant, et puis attendre des commentaires, et tu peux faire la mission, surtout les jeunes. Donc il faut être sérieux, parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais il y a notre responsable pour la communication. D'ailleurs, je vous conseille vivement de l'inviter. Ok. Il est déjà venu, même avant moi. Très bien, super. Donc, lui, il nous a montré au pasteur, tu étais là, il nous a montré une vidéo, il a dit, bon, il l'a fait, il s'y connaît, il a fait un joli truc avec des passages bibliques, avec des chants. Il a dit, en quelques semaines, il y avait 60 000 vues, énormément de commentaires, même des mondes d'études bibliques. Donc aujourd'hui, on a des possibilités, il n'y a que des personnes qui ne veulent pas, qui n'ont pas quoi faire pour le Seigneur. Mais attention, quand je dis projet, c'est quelque chose de réfléchi, de suivi. Il faut investir du temps, peut-être aussi un peu de l'argent, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Ensuite, parce que, sachez que nous aimons tous les miracles. Avec la mission, on donne à Dieu la meilleure possibilité de faire des miracles dans nos vies et à travers nous. Est-ce que nous avons un Dieu tout-puissant? Est-ce que c'est nous qu'il nous envoie dans la mission? Est-ce qu'il est possible qu'un Dieu tout-puissant nous envoie et qu'il ne nous donne pas les moyens pour le faire? Ensuite, il y a les actions où on sème
la parole. Les actions de type porte-à-porte, partage des livres, des prospectus. L'église roumaine faisait à un certain moment, en région parisienne, il y avait des brocantes et ils sortaient avec des livres, ils les mettaient gratuitement et puis ils attendaient que les gens viennent. Très beau projet, ça marchait très bien, ils faisaient des expériences. Ensuite, avec la santé, on peut faire expo santé, expo Bible. On a aujourd'hui la fédération. Jamais auparavant, la fédération n'a pas mis autant de moyens à disposition pour les églises. On a la Bible missionnaire à 3 €, avec des études bibliques dedans, très belles, en noir, sponsorisées par la fédération. On a des livres de santé, le livre rouge, on n'en a même plus maintenant parce qu'il faut recommander, le livre santé par les aliments, le livre vert, santé par les plantes, 2 €, le livre de famille, couple, 1 €. 3 €, très beau, en grande, A4, meilleur chemin, moins d'1 €. On a du matériel autant qu'on veut pour donner aux gens. On a fait Jésus-Christ à, je sais pas, 2 euros ou 3 euros aussi. On a fait 20 000 exemplaires, là on a commandé. Bon, on a un avantage car il y a des gens, vous savez, en adventisme, la Roumanie en Europe, c'est le plus. Donc mes collègues, ils connaissent beaucoup de gens en Roumanie. Parce que vous savez, Émile Lazare, c'est le responsable d'évangélisation. Bah, son beau-frère, il est responsable de l'école de sabbat, je pense, à l'Union roumaine. L'autre beau-frère est le directeur de la télévision depuis peu de temps. C'est une vraie télévision. Donc il y a des Roumains. Donc on peut faire venir des choses qui sont beaucoup moins chères. Et la fédération offre beaucoup de matériel. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas. Et d'ailleurs, c'est aussi c'est le projet qui me plaît le plus. Parce qu'avec les trucs longue durée, je mourrais. Parce que... Donc, je ne pars pas. Donc mon projet est, je ne pars pas de chez moi sans avoir des livres avec moi. Et partout où je vais, j'ai des livres. Donc, quand j'ai un sac pour le transport, le sac de sabbat, dans la voiture aussi, et partout. Donc, quand je suis dans les transports, j'ai le meilleur chemin. J'ai depuis qu'on a un petit livre sur la santé, je ne sais pas si vous l'avez vu, le petit livre bleu, vous l'avez vu? Un truc grand, santé par les plantes. Là, je ne l'ai pas avec moi. Mais ça, c'est un livre sur la santé à 50 centimes, je pense, on le donne. Les principes de la santé, petit. Voilà. Donc, j'ai toujours un livre comme ça, le meilleur chemin. Moi, pour la mission, c'est le livre d'Ellen White, je le considère inspiré, c'est ça que j'ai avec moi. Et j'ai la version petite que j'ai prise en Espagne de Tragédie des siècles, que je donne que où il y a vraiment des... Par exemple, la semaine dernière, cette semaine-là, les architectes avec lesquels nous travaillons sont... vous savez, c'est très intéressant. En tant que pasteur, on ne peut pas se plaindre du point de vue financier, matériel, on est bien. Mais les personnes, certaines personnes avec lesquelles je travaille aujourd'hui, du point de vue financier, sont... Sauf que, on discute, c'est moi qui signe le chèque, c'est moi qui... Donc vous voyez, il y a des personnes qu'on va atteindre que sinon on arrive difficilement. Donc les architectes, on s'entend très bien, ce sont des gens qui se battent vraiment pour nous. On avait un architecte avant qui n'était pas du tout, était même malhonnête. Aujourd'hui, on est très très bien, c'est Karine qui les a employés. Je suis très reconnaissant. Et ils ont fait l'inauguration de leur nouveau siège. Donc ils nous ont invités. Le président n'a pas pu venir parce qu'il y avait une rencontre pastorale. Donc je suis allé avec Emmanuel Ban, il y avait aussi Karine qui est venue. Et je sais depuis que j'étais en Roumanie, quand on est dans des rencontres comme ça, la chose qu'il ne faut pas faire, c'est rester entre soi.
Je suis là avec mes collègues, voilà. Donc j'ai essayé bon, avec les architectes, bon, comme ils étaient les hôtes, je les connaissais. Donc j'ai discuté longtemps avec un assistant de maîtrise d'ouvrage pour un hôtel de, voilà. Et puis lui, il m'a montré un autre architecte. Il a dit voilà, lui c'est un architecte qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça. Et puis je me suis rapproché de lui. Il m'a dit, mais je vous connais de quelque part. J'ai dit, écoutez, je ne sais pas. Voilà. Il m'a dit, je m'appelle Jens Burger. Non, c'est Ginsburger. Et l'architecte est passé. Il a dit, vous savez, vous pouvez parler allemand entre vous. Donc tout de suite, le lien s'est fait. Lui, c'était un juif de je ne sais pas où. Il était venu en Alsace. On a discuté. Il m'a dit qu'il est devenu catholique. Voilà, il a parlé. Donc, on m'a parlé architecture et trucs. À un certain moment, j'ai changé le sujet, j'ai mis le voilà, j'ai calé un peu dans la direction et j'ai dit, écoutez, mais si ça vous intéresse, vous savez, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, j'ai un livre qui a été écrit avant 1900 qui vous explique les choses, mais sachez que, je m'excuse déjà parce que l'Église catholique ne sort pas très très bien de ça. Mais il n'y a aucun souci, parce que vous savez, moi je suis catholique, mais ça m'intéresse vraiment. Donc écoutez, je vais aller... Non, je viens avec vous, comme ça je peux juste déposer. Donc je sors à Tragédie des siècles, je vois qu'il prend pour sa voiture, qui était un Porsche décapotable, donc pour dire que... voilà... Donc, il l'a mis, mais après, je vais donner à Virgile aussi. Virgile, c'était l'architecte. Il m'a dit, écoutez, à lui, j'ai donné aussi un livre. Mais il m'a remercié encore, je ne sais pas combien de fois. Donc, je vais lire, je vais donner ma carte. Donc, juste pour vous dire que c'est que le plus difficile, le plus dur, est que parfois, je vois des occasions que le Seigneur m'a données après que je l'ai loupées. Et ça, c'est dur à vivre, j'en ai vécu. Mais le Seigneur ouvre des portes et il fait des choses où parfois, je me dis, mais Seigneur, comment... Je pourrais vous raconter des expériences, je vais vous donner que deux, trois, juste pour voir. Le premier miracle que le Seigneur a fait avec moi, je suis quelqu'un de timide pour aborder des personnes inconnues sur la religion. Et le Seigneur... Il m'a changé sur ça. Même mon épouse me dit parfois, tu te forces trop. Je dis, écoute, ça c'est mon projet personnel, toi tu fais les tiens. Mais par exemple, j'ai fait une visite à un hôpital à Villejuif. Il y avait une sœur qui était malade là. Je suis allé un dimanche sans la prévenir, parce que je me suis dit, si je lui dis et puis j'arrive pas, elle va m'attendre. Donc j'arrive le dimanche là et il n'y avait personne à l'accueil. Comment faire maintenant pour trouver? Je tourne un peu en rond. Et il y avait un monsieur qui avait une guérette pour garder l'entrée dans le parking pour les voitures. Et je dis, mais qu'est-ce que vous cherchez? Il m'a dit, écoutez, ça. Il a essayé, mais il a dit, non, je ne peux pas si je n'ai pas plus d'informations. Donc j'appelle le mari de la sœur. Je dis, écoute, Olivier, dis-moi où est ton épouse. Il m'a dit, c'est tel bâtiment, telle chambre, tel étage. Le monsieur, il avait attendu, il a dit, ah, c'est au bout de l'hôpital, vous allez marcher 10 minutes. J'ai dit, écoutez, vous êtes tellement gentil, est-ce que je peux vous donner un livre sur Jésus? Je suis pasteur. Il a dit, amen, mais vous êtes de quelle église? Ça m'est arrivé plusieurs fois. Il a dit, écoutez, c'est une église protestante. Ok, de ce cas-là, je prends. Donc, je pars et j'arrive très, très près de l'entrée. Il y avait une clôture, du gazon, et une chaise et un monsieur en vêtements d'hôpital qui était assis dessus. Je ne sais pas quelle maladie, mais il m'appelle. Messieurs, est-ce que vous avez une cigarette? Et j'ai dit non, mais est-ce que vous voulez un livre? J'attends qu'il dise non. Il me dit oui. Bon, je sors le meilleur chemin. Je le plie à travers les trous de la clôture et je lui donne. Je pars, je fais quelques pas, il y a une voiture qui s'arrête à ma droite. Je me souviens encore, c'était une Q3. Un monsieur qui baisse la vitre et dit, messieurs, est-ce que vous allez dans le service de tel tel? Il dit, oui. Venez, je vous amène.
Mais je dis, ah, c'est le monsieur de la porte qui vous a dit que vous allez me trouver. Oui. On parle un tout petit peu, on arrive là. Je dis, écoutez, vous êtes tellement gentil, maintenant, j'en avais plus deux, parce que je ne peux pas non plus partir avec tout le... comme les colporteurs avant. Je n'avais que la tragédie des siècles. Bah, si, écoutez, si vous pensez que c'était un hasard que le Seigneur, que le gars m'a... Je dis, écoutez, est-ce que je peux vous remercier? Je suis pasteur et j'aimerais vous donner un livre... Je suis juif. C'est comme ça qu'il a dit. Je dis, écoutez... Il n'y a pas de souci, c'était un livre sur un peu la fin des temps et comment ça s'est passé. Ok, donnez-moi, juste par curiosité, je vais lire. Et puis je dis, mais écoutez, vous savez, moi aussi, nous aussi, notre église, nous gardons le sabbat. Alors, les juifs n'aiment pas trop ça parce que pour eux, c'est que eux qui dit, ah, comme les adventistes, donc ils nous connaissaient. Donc, on s'est séparés. Je pars, je visite la sœur, je repars. Maintenant, il n'y avait plus de personne qui m'a pris en voiture parce que je n'avais plus de livre non plus. Et je me dis, mais j'aimerais bien voir si le monsieur est encore dehors là. Est-ce qu'il a le livre en train de feuilleter ou est-ce que j'ai jeté cette fois-ci comme devant les voilà, comment on dit. Mais c'était un livre, c'est pas la tragédie. Là, c'est... Donc, comme c'était long, j'oublie. Je marche tête basse. Et puis j'entends, messieurs, merci pour le livre. Mais vous voyez le timing? Dites-moi que c'est un hasard. J'étais pour partir en train de chez moi. Je vais de Franconville, deux stations de train en vélo jusqu'à la gare d'Hermonbonne. Là, il y a beaucoup plus de trains. Et je laisse ma parce qu'on me l'a volé déjà une fois, je laisse mon vélo dans un truc fermé. Dehors, il y a un truc pour avec des livres. On met des livres et chacun se sert. Et de temps en temps, alors comme c'est un des livres, ça m'intéresse, je regarde toujours. Et de temps en temps, je trouve quelque chose. Quand je trouve des livres à l'aller, pour ne pas les porter avec moi, je les mets sur le porte-bagages là du vélo. Une fois. Deux fois, j'arrive et le livre est parti. Bon, ce livre que j'ai trouvé, c'est pas tellement valeur, mais ça m'énerve. Je mets les livres sur mon truc là et quelqu'un les... Je me dis, j'aurais envie de prendre celui-là sur le fait qui prend mes livres. J'arrive un soir et je vois un monsieur petit de taille là qui est en train de... Justement, prendre le livre, je n'arrive même pas à la clôture là, dit « Messieurs, vous voyez pas que c'est pas votre vélo là ?» Vous imaginez maintenant comment se sent le monsieur là. Donc, oui, mais je pensais qu'il a commencé à bégayer, que c'est pour prendre. Mais comment c'est pour prendre quand c'est sur mon truc là? Bah, excusez-moi, donc il est parti vers son vélo là. Entre-temps, mes nerfs sont descendus, je l'ai vu comme ça. Donc, il sort avec son vélo. Moi, je suis en train de... Et il dit, messieurs, encore une fois, excusez-moi. Et quelqu'un m'aurait dit avant. J'aurais jamais pu. Je me retourne vers lui, je dis, vous savez quoi, vous aimez les livres, alors je vais vous donner un bon livre. Et je lui ai donné le meilleur chemin. Alors, il ne pouvait pas refuser dans ces conditions-là. Mais... Mais c'était à la fin, je suis resté, je dis, Seigneur, tu fais des choses, maintenant, tu aurais pu aussi la prochaine fois faire que les nerfs ne montent pas autant que... J'étais, quand je vais en Roumanie, c'est un peu plus facile parce que les gens sont... je commande par Internet des livres pour que dès que j'arrive, j'ai en stock. La pire des choses, c'est d'aller quelque part, j'ai l'occasion et j'ai rien. Avec moi. Donc, cette fois-ci, nous sommes avec mon épouse dans un magasin des vêtements. Une vendeuse très, très gentille et pas trop insistante, comme il le faut. À la fin, c'est très facile dans ce cadre-là de lui dire, écoutez, je veux vous remercier, je suis pasteur. Est-ce que je peux vous proposer un livre sur Jésus? Toujours le meilleur chemin. Vous êtes de quelle église?
je commence voilà, elle dit, est-ce que vous êtes de l'église? Elle me donne l'adresse. Comme c'était ma ville où j'ai grandi, je savais que c'était une église baptiste. J'ai dit, non, ça c'est une église baptiste. Nous, c'est l'église adventiste. Elle continue, elle dit, parce que j'y étais une fois et ça m'a beaucoup plu. Écoutez, très bien, je vois que ça vous intéresse. Quand je vais venir la prochaine fois, je vais vous en donner un autre. Je pensais à la tragédie, je n'avais plus la tragédie dans la voiture. En sortant du magasin, mon épouse me dit, mais j'ai l'impression que sa collègue a dit qu'elle veut aussi un livre, qu'elle voudrait aussi avoir un livre. Je dis, mais pourquoi tu n'as pas dit tout de suite là et va prendre un livre et donne, et va, non, mais j'ai honte, je ne sais pas, bon, je vais aller moi-même. Je prends le meilleur chemin, je retourne dans le magasin, je demande à la dame à la caisse, est-ce que vous pouvez appeler la dame qui nous a servi? Elle l'appelle, elle vient toute souriante, oui monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Écoutez madame, mon épouse m'a dit que votre collègue aurait voulu aussi un livre, est-ce vrai? Elle fait comme ça, Véronica, est-ce que tu veux un livre? Et moi je me mets tout comme ça, donc... on était dans le magasin là, c'est... Et la dame vient, je ne vais jamais oublier, elle fait comme ça. D'un coup, un gros sourire là, elle dit, ah oui! Écoutez, je lui donne le livre, je dis, écoutez, quand je vais revenir pour prendre mes vêtements là, qu'on devait retoucher, et je lui ai amené une tragédie et un Jésus-Christ. Donné à à l'autre. L'autre, je dis, quand vous allez finir, il continue, on va changer entre nous. Bon, je dis ça, vous savez. Et si vous... dernière chose, j'étais à Shell, dans une visite chez quelqu'un le soir. Et c'était une cité, là, comme les Français font, ronde, des trucs, et tu te perds. Généralement, je me retrouve, mais cette fois-ci, c'était tard. La station de bus n'était pas là où je suis arrivé, et comme c'était 9 heures le soir, en hiver, donc j'ai fait une chose que je ne fais pas d'habitude. Il y a une dame qui sort d'un bâtiment là, et je dis, madame, dites-moi s'il vous plaît, où est la station de bus telle, dans telle direction? Elle me dit, c'est là, messieurs. Merci beaucoup, je pars. Derrière moi, j'entends, messieurs, vous allez où? Alors, à peine je crois mes oreilles, je me retourne et j'ai dit, je vais à la gare de Noisy-Champs. Est-ce que vous voulez que je vous y amène? Écoutez, on est la nuit, en hiver, dans une cité, une femme, et moi je suis homme. Je lui demande, mais est-ce que vous n'avez pas peur? Ah messieurs, je sais un peu reconnaître les... Mais non, si vous me dites que c'est un hasard, je vous défie d'aller les hommes dans une cité française la nuit, demander à toutes les femmes qui sont seules la station de bus et attendre je ne sais pas combien d'années jusqu'à une va vous dire « je vous amène ». Et imaginez maintenant que je n'ai pas de livre, rien chez moi, quand le Seigneur il a fait un tel miracle. Donc mes amis, il y a après aussi des projets uniques, comme cette femme aveugle dont j'ai parlé. Qui sont tellement uniques que la personne X peut le faire. Mais si vous n'avez pas encore un projet missionnaire personnel, certains ont déjà, je le sais, si vous n'avez pas encore, allez s'il vous plaît chez vous, vous priez, mais pas 6 mois, 3 semaines max, vous priez, ensuite vous faites une liste avec tous les projets qui vous passent par la tête, si beaucoup que possible. Vous priez encore un ou deux jours, et vous choisissez un. Et très vite, vous allez voir si le Seigneur bénit ce projet-là. Vous allez voir des résultats. Et avec le temps, vous allez voir que ça marche de mieux en mieux. Il n'y a rien de plus beau de voir comment le Seigneur met des choses devant tes pieds pour que tu puisses faire la mission. Donc, je vous encourage vraiment, fortement, de développer, de faire un projet missionnaire personnel. Et vous allez voir, si chacun s'y met, l'Église, ça va être comme des ruisseaux
qui vont aller vers un fleuve et l'église va être trop petite. C'est déjà ? Très bien, vous allez faire une deuxième et une troisième après et une quatrième. 6. La lutte contre le péché. On va avancer vite pour ne pas... Voilà, les 2 heures, on est encore. La lutte contre le... Non, non, c'est l'esprit de sacrifice. 6. Jésus s'est sacrifié pour nous. Il faut qu'on ait au moins un peu d'esprit de sacrifice nous-mêmes aussi, comme le Seigneur nous a montré et enseigné. Je suis prêt à sacrifier de mon temps pour Dieu et son Église. On ne peut pas être disciple du Seigneur sans donner de son temps. 2. Je suis prêt à sacrifier mes loisirs pour Dieu et son Église. Parfois, il faut renoncer à des choses pour servir l'œuvre. 3 et 4, un tout petit peu de l'argent. Mes dîmes, je les rends régulièrement à 100% et à l'Église comme le demande la Bible. Les dîmes, c'est un sacrifice financier cette fois-ci. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles le Seigneur a mis en place les dîmes, c'est pour justement apprendre ce sacrifice. Mais attention, les dîmes, pour les dîmes, il n'y a rien à négocier. Rien. Les dîmes, le Seigneur a mis en place pour ceux qui n'aiment pas l'exactitude, pour qu'ils puissent l'apprendre. Les dîmes, c'est un calcul mathématique simple. Comme un robot, tu les prends là, tout ce que tu gagnes, et tu les mets là. Rien à penser, rien à réfléchir, rien à faire. Il y a des personnes qui disent, oui, est-ce que je peux prendre les dîmes et faire? Dans ce cas-là, ce ne sont plus les dîmes. Pour les dîmes, Dieu a été clair, net. Voilà, ça c'est pour les Allemands. Les Allemands. 4. Mes offrandes que je donne ou à qui je souhaite sont consistantes et régulières. Les offrandes, c'est le contraire. Les offrandes, Dieu me laisse la liberté. C'est pour les autres qui aiment l'exactitude. Maintenant, Dieu leur dit maintenant, choisissez-vous. Dieu ne dit pas prendre autant d'offrandes. Mais il me laisse choisir combien et il me laisse aussi choisir où je les donne. Mais il ne faut pas changer les dîmes en offrandes. Ça, c'est les offrandes. Les offrandes, je donne où je veux. Mais les offrandes, pour que ça soit discipula, sont régulières. Les offrandes ne sont pas « Ah, aujourd'hui, est-ce que je vais chercher, est-ce que je vais trouver quelque chose dans ma poche ?» Notre sœur trésorier m'a dit qu'à Épinal, ça marche très bien que les gens réfléchissent en amont. C'est comme ça qu'il faut faire. La Bible le dit. Il faut réfléchir en amont. Et les offrandes aussi, pour que ça soit un disciple. Disciple, ça doit être quelque chose de régulier. Mieux vaut, et consistant, mieux vaut 1% et d'une manière régulière que ici quelque chose et là quelque chose. Moi, j'ai fait une expérience très, très positive avec les offrandes. J'étais étudiant et comme j'ai étudié en Allemagne, mes parents étaient en Roumanie, ils ne pouvaient pas me soutenir. C'était toujours une galère pour m'en sortir financièrement. De A à Z, j'avais des dettes jusqu'un mois après la fin de quand j'ai réussi à tout payer. Et il y avait un jour où j'ai demandé au prof, à l'enseignant, j'ai dit pourquoi, c'est pas pourquoi, j'ai dit l'église adventiste, il y a un petit souci là, les pasteurs dans beaucoup des fédérations, leur dîme est prélevée automatiquement. Et si la dîme est prélevée automatiquement, ça m'enlève un peu le sentiment de le faire, et puis moi je dois enseigner aux autres les bénédictions, et je suis un peu amputé. Et puis le prof a dit une chose que j'ai jamais oubliée. Il a dit, moi j'ai résolu ça de la manière suivante. Je prends 10% et je les traite en offrande. Et comme ça, jamais je manque des pièces, des billets pour donner. J'ai toutes sortes. Je me suis dit, ça c'est une très bonne idée. J'ai tout de suite accroché. Je suis allé chez moi, j'ai dit, je vais faire pareil. Dès que j'étais en troisième année, vers la fin de cette année-là, je me suis dit, dès que je vais avoir un salaire, je vais faire pareil.
je tourne un peu en rond dans ma chambre là. Je n'étais pas tellement content avec ma résolution. Je me suis mis sur les genoux. Je dis, Seigneur, je te promets que quand je vais revenir des vacances, quand c'était avant les vacances, je mettais toujours un peu, j'avais 100 marques allemandes à peu près d'argent de poche. Bon, mes parents me tenaient, mais avoir un peu de pouvoir acheter dans les vacances est un peu... Et je dis, Seigneur, quand je vais revenir des vacances, tout l'argent que je vais recevoir, à part la dîme, je vais mettre en place une deuxième dîme. Je me lève, je tourne encore un peu en rond, et puis je ne suis pas non plus à l'aise. Je me mets encore une fois sur mes genoux. Je dis, Seigneur, je te promets, à partir de maintenant, toute somme d'argent que je vais recevoir, je vais donner une deuxième. Ce n'est pas une dîme, mais une deuxième, voilà, dixième partie. Je me lève, maintenant je suis content. Le jour d'après, je pense que ce n'était pas le même jour, le jour d'après, je reçois donc les taxes pour l'école. C'était des personnes qui m'aidaient, des connaissances qui étaient parties de la Roumanie vers l'Allemagne. Et une partie, je travaillais, environ 25%, j'arrivais à payer par le travail. Et le jour d'après, il y avait un frère, un pasteur à la retraite de je ne sais plus exactement quelle ville, Krause. Et il m'a appelé, comme il partait de Transylvanie, bon, c'était une longue histoire, il m'a dit, Erwin, tu sais, j'ai parlé de ton cas autour de moi, il y a une sœur qui a promis qu'à partir de maintenant, jusqu'à la fin de tes études, elle va te donner chaque mois 50 marques allemandes. Et elle va te les donner dans la main, parce que sinon, si on te donne à l'école, tout part dans le trou. Toujours, il y avait des dettes, donc tout ce que je recevais, tout ce que je travaillais, c'était pour remplir un sac sans... Et moi, je suis retourné dans ma chambre. Je me suis mis sur les genoux et j'ai dit, Seigneur, j'ai compris, ce n'est pas moi qui te donne, c'est toi qui me donne. Je vais vous dire une chose. Depuis, toutes les sommes d'argent, que ce soit des cadeaux, que ce soit des prestations sociales, que ce soit tout ce que je reçois, que ce soit le salaire que je reçois, je mets une deuxième dîme. Je n'ai jamais eu à regretter. Je n'ai jamais senti. J'ai passé des temps compliqués financièrement, mais pas à cause de ça. J'ai jamais senti une perte. Et en plus, comme il s'agit de 10%, 10% du salaire, c'est quand même une somme. Ça me permet de toujours avoir une somme. Quand je vais contribuer à quelque chose, quand je vais faire quelque chose, quand j'ai une action où je vais pas... j'ai toujours une somme sur laquelle je peux contribuer. Je vais donner un cadeau à quelqu'un. Donc, il y a, parce que c'est moi qui gère ça. Quand je suis pour contribuer à l'église pour les offrandes, je n'ai pas à chercher des petites pièces, des petits billets, parce que c'est toujours une somme assez conséquente qui me permet de faire. Et ça, c'est une bénédiction. Donc, juste pour dire que le Seigneur nous apprend de faire des sacrifices, mais il nous bénit en même temps. Plus on fait des sacrifices, plus on avance spirituellement. Et 5, je suis prêt à sacrifier de mon confort pour Dieu et son Église. Quand il y a un comité d'Église le dimanche matin, on doit sacrifier son confort pour participer, n'est-ce pas? Et enfin, 7, le septième domaine, le dernier, c'est la lutte contre le péché. Le péché est le problème principal de ce monde. Et la lutte contre le péché, je ne peux pas être un disciple, à mon avis, sans mener une lutte sérieuse. 1. Je pourrais nommer tout de suite 3 péchés ou faiblesses de caractère sérieuses dans ma vie. Si on ne sait même pas quels sont mes soucis, quand est-ce que je vais lutter contre eux? Les personnes, j'ai entendu, donc, quel est ton plus grand défaut? Moi, je suis trop généreux. Merci.
2. Je mène une lutte acharnée contre plusieurs péchés et faiblesses de caractère. La prière, c'est le premier pas. Mais le péché ne se vainque pas sans une lutte acharnée. Paul dit clairement, il faut, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Parce que le péché fait partie de nous. Donc il faut lutter contre soi-même pour vaincre le péché. Avec l'aide du Seigneur, bien sûr. Mais il y a des personnes qui disent, la seule chose pour vaincre le péché, c'est que tu es en Christ et Christ avec toi. Donc c'est comme si je croise les bras, Christ soit avec moi et fais-moi vaincre le péché. Si le péché serait, je ne sais pas, le chocolat. Ce n'est pas un péché manger le chocolat, soyez rassurés. Mais si les quantités dépassent à un certain moment, ça pourrait le devenir. Mais maintenant, je passe à côté de la boulangerie ou de la chocolaterie et puis je sens l'odeur de chocolat, ça m'attire. Ah, bah, Seigneur, tu n'as pas fait le boulot, donc c'est pas encore. Ça ne marche pas comme ça. Le Seigneur me donne la force. Il m'apprend ce qui est mal. Il me donne la force, mais jamais le Seigneur ne va prendre la décision à ma place. C'est moi qui dois dire non. D'ailleurs, je dis à mes enfants, pour rigoler un peu, vous savez que, ceux qui le savent, en allemand, il y a un mot qui s'appelle Schweinehund. En traduction, c'est le porc chien. Et le Schweinehund, c'est un peu ce qui est mal en nous, le mal en nous. Et les Allemands disent donc qu'il faut vaincre ton Schweinehund. Donc je dis à mes enfants, écoutez, pour vaincre l'appétit, il faut faire comme ça. Tu prends le gâteau, tu le sens comme ça, tu laisses les Schweinehund s'agiter là autour de toi et puis dis non. Dis mais papa, mais ça ne marche pas comme ça. Mais ce que je veux dire est que le péché, tu dois mordre ta langue pour ne pas dire quelque chose, pour ne pas faire quelque chose. C'est de la souffrance de te vous voyez, Paul dit, je suis sévère, je suis dur avec moi-même. Pas comme les moines qui pensent qu'ils sont plus saints. Mais ma chair m'attire vers le péché, le Seigneur me donne la force, mais c'est à moi de dire non. Comme on a dit ce matin, si mon regard est attiré là, je peux très bien regarder un peu en haut. Il est vrai que parfois à l'église, au lieu que notre vie d'homme soit facile, il y a certaines sœurs en plus très belles qui nous font la vie difficile et on devrait regarder toujours comme ça en haut pour ne pas, surtout quand il y a des mariages. Quand il y a des mariages, il faut prier, il faut se mettre à genoux et dire « Seigneur, aide-moi aujourd'hui quand il y a un mariage, ne pas regarder trop à droite, trop à gauche, trop à... » voilà, parce que... voilà. Mais ce que je veux dire est que, en tant qu'homme, s'il y a une femme qui est belle et qui montre sa beauté, pas seulement à son mari, mais aussi à moi, je vais toujours la remarquer. Donc, soit l'homme est malade, soit il est arrivé à 80, je ne sais pas combien d'années. Il y avait un frère qui a dit qu'il avait des soucis comme ça dans la vie et il est venu dire au pasteur, « Pasteur, j'ai vaincu !» Quand on avait 90 ans, merci. Je vais la remarquer. Si je passe en voiture, en vitesse, il y a une femme avec un gros décolleté, je vais le voir. Mais je ne suis pas obligé d'attirer mon regard, de regarder en arrière et de marcher comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? De faire un accident de voiture après, tu dis « Seigneur, maintenant tu m'as montré que... » Il faut que... Bon, donc, ce que je veux dire est que la prière, c'est le premier pas, il est indispensable, mais la lutte derrière, tu ne peux pas faire sans. Si tu prends que la prière, ça ne va pas suffire. Heureusement que le Seigneur nous donne la force. Et j'ai vécu cela grâce au Seigneur, que des choses que je pensais impossible pour moi de vaincre, sont devenus possibles.
et que petit à petit, certaines sont, ont même disparu. Le Seigneur peut faire ça aussi, qu'à un certain moment, après une lutte d'un certain temps, le péché, cette fois-ci, perd son attirance. Pas toujours, pas toujours. Par exemple, pour la viande. Moi, je ne mange plus de viande depuis 20, je ne sais pas combien d'années. Jusqu'à aujourd'hui, l'odeur de la viande, le goût de la viande, c'est pour moi la meilleure, le meilleur repas qui existe. Vous voyez ? Donc ça n'a pas disparu. Mais, comme il y a beaucoup de temps que j'ai... Aujourd'hui, je même pas, ça ne me viendrait même pas à la... Mais quand je passe devant un grec, là, je sens toujours ouais, comme Obélix, là, tout de suite, ça l'attire. Mais, ce n'est plus le... Alors, ça, ce n'est plus un vrai défi. Mais, le goût, c'est resté. Mais parfois, le Seigneur fait en sorte que c'est le péché qui devienne étranger à nous. Mais c'est d'abord, alors nous aimerions que je dise Seigneur, fais que le chocolat ne me plaît plus, pour que j'arrête. Et d'un coup, le chocolat, c'est pour moi comme je sais pas, des crabes et des crevettes. Alors, ça peut, parfois le Seigneur intervient comme ça. J'ai entendu des personnes qui ont dit d'un jour à l'autre, je n'ai plus envie de fumer. Mais c'est plutôt rare. Il y a ce miracle-là, c'est plutôt que le Seigneur t'aide à vaincre aujourd'hui, vaincre demain. Ensuite, je ne cherche jamais des excuses pour les péchés et faiblesses de caractère. Nous sommes des experts en excuses. Nous trouvons des excuses pour tout. Et quand j'ai trouvé une excuse pour le péché, je n'ai plus besoin à le vaincre parce que j'ai trouvé une excuse. Je me suis arrangé avec le péché. Et ça devient ce que Ellen White a dit, péché aimé ou chéri. Je vais donner un exemple. Disons que, alors c'est une anecdote, j'arrive aux portes du ciel. Et là, il y a Saint-Pierre avec les clés. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Pas pour entrer dans le ciel. Bah, tu n'es pas sur la liste. Bah, comment ça? Mais tu n'as jamais vaincu la médisance. C'est quoi? Mais l'épouse de mon pasteur le faisait aussi. Est-ce vrai? a dit Pierre. Est-ce vrai? Oui, je vais vérifier. Il s'en va, il prend les registres. Il dit, tu as raison, l'épouse de ton pasteur l'a fait aussi. Alors, va dans la joie de ton père et réjouis-toi, tu es sauvé. Ça va se passer comme ça? Ça va se passer comme ça? Et si c'est le pasteur qui le faisait, ça va tenir l'excuse? Jamais. Jamais. S'il y a une excuse, je n'ai plus besoin de repentance. Donc, il faut qu'on arrête avec les excuses. Je peux dire, par exemple, je ne peux pas lutter avec 10 péchés en même temps. Je vais commencer avec le plus sérieux pour après... Mais il ne faut pas se leurrer pour dire « bon, je suis trop faible ». Pas parce que tu es trop faible et tu n'as pas pu vaincre, voilà. Le Seigneur t'a dit « bon, voilà ». Les 3 mois passés, j'ai obtenu plusieurs victoires contre les péchés et les faiblesses de caractère. Victoire ne veut pas dire « bon, j'ai fini avec totalement ». Mais victoire est « je suis passé devant la boulangerie, j'ai senti le truc, j'ai dit non ». C'est une victoire. 5. Chaque soir, je fais un inventaire ou chaque matin de la journée et je demande pardon. Là, on avait déjà discuté. Alors, mes amis, voilà 7 domaines. Pour moi, la plus ça, ça va être compliqué là avec mon retour. Oui, j'en ai. T'as vu d'ailleurs. J'ai donné hier, vendredi. Alors, si vous pensez que est-ce qu'on peut être disciple du Seigneur sans lire la Bible? Est-ce qu'on peut être disciple du Seigneur
tout faire, mais sans la bonne attitude, avec une mauvaise attitude. Il dit, je te sers, Seigneur, je te sers à nouveau, tu m'as demandé à nouveau, je veux le faire, mais je... Ça va? Est-ce qu'on peut être disciple du Seigneur sans avoir au moins un projet missionnaire personnel? Est-ce qu'on peut être disciple du Seigneur sans lutter contre le péché? Donc vous voyez, c'est indispensable. Alors mes amis, mon conseil, si vous voulez faire le questionnaire, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas le questionnaire qui compte. Il y a une sœur qui m'a dit « Pasteur », mais comme c'était une seule, j'ai dit « Mais pasteur, vous avez mis des points là, et il y a un truc où je dis si tu as moins de tels points, tu es loin d'être disciple et même ton salut pourrait être en discussion. » Comment vous pouvez dire? J'ai dit « Écoutez ma sœur, ne le prenez pas, regardez juste ce qu'il faut améliorer dans votre vie. » Donc chacun, juste pour voir les questions, et nous savons quels sont nos domaines de progression, n'est-ce pas? Alors, Jésus va revenir bientôt. On n'a pas le temps juste pour perdre. Mettons-nous sur nos genoux tout d'abord, et le Seigneur va faire le sien, et nous allons avancer dans la foi. Que Dieu vous bénisse, et je vous dis à la prochaine. Voilà, mon cher, oula, j'ai fait tomber l'appareil, je suis désolé. C'est un péché involontaire. Voilà. Non, non, je voulais simplement, je crois qu'on peut dire merci à Erwin pour sa visite. Hein? Non, mais c'est vrai qu'il ne faut pas qu'il s'enorgueillisse non plus, hein? Mais tu nous as fait du bien, grâce au Seigneur, et je veux que tu le saches. D'accord? Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ils sont forts, hein? Pour ça, je ne suis pas fort, moi je ne suis pas germanophone. Bien. Patrice, tu peux venir prier pour nous, pour terminer? Seigneur, notre Père bien-aimé, nous voulons te remercier pour cette magnifique journée de sabbat que tu nous as permis de vivre, pour toute cette nourriture spirituelle qui a été la nôtre aujourd'hui. Mais nous avons une pensée, ou j'ai une pensée toute particulière pour tout ce que Erwin nous a présenté. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir été interpellé par certains des points qui ont été abordés. Et Seigneur, nous ne pouvons que te demander de nous prendre au sérieux tout ce que nous avons entendu, d'être capables d'avoir ce questionnaire en face de nous et de faire le bilan jour ou semaine après semaine, mois après mois, et de voir tout ce que tu as pu faire pour nous, c'est-à-dire nous aider à nous engager au sein de encore plus au sein de notre Église, de pouvoir lutter contre nos péchés, mais aussi de pouvoir partager cette bonne nouvelle de Jésus-Christ et Jésus-Christ qui revient bientôt. Apprends-nous aussi à partager avec tous ceux qui n'étaient pas là pour les encourager à peut-être regarder et surtout écouter cet après-midi qui a été enregistré et de faire en sorte que notre église d'Épinal puisse être plus forte et que localement où nous habitons, nous ayons ces possibilités grâce à toi, grâce aux prières que nous formulerons, de pouvoir rencontrer encore plus de personnes et de partager cette bonne nouvelle de savoir que ta parole est la vérité et qu'elle est remplie de points importants pour notre façon de vivre et pour notre relation avec toi. Que ce soit par la prière, par l'étude, par la méditation ou par notre engagement personnel,
Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous viennes en aide et que ton Esprit Saint puisse être accueilli jour après jour par chacun d'entre nous. Accompagne aussi Erwin qui va rentrer dans sa région parisienne et nous te le confions aussi parce qu'il a une responsabilité de pasteur, de trésorier et nous savons que tout cela est nécessaire pour que nos communautés puissent fonctionner correctement. Nous te présentons la semaine qui va bientôt débuter, Seigneur, afin que dès demain ou même dès ce soir, nous puissions mettre en pratique tout ce que nous avons entendu et appris cet après-midi. Merci également pour cette communauté d'Épinal, parce que nous savons que tu la soutiendras et tu permettras qu'elle grandisse grâce à l'effet de ton Esprit Saint sur chacun d'entre nous et surtout sur, et j'ose le dire, les miracles que tu feras. Qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, Seigneur, nous sommes convaincus que tu permettras que des personnes puissent être non seulement transformées, mais aussi apprendre à te connaître. Et tout cela, nous te le demandons par le doux nom de Christ, notre Sauveur. Amen. Merci beaucoup aussi pour l'accueil. Je me suis très bien senti et merci beaucoup pour le repas. De rien. Et puis, tu présenteras...